Catel Gaudin, notre commune nouvelle grandit sans cesse, bien évidemment. Il y a régulièrement arrivé de nouveaux habitants avec des jeunes enfants. Est-ce que vous avez identifié des problèmes de projection vers l'avenir, d'anticipation des besoins du futur ? Oui, alors déjà même sur le présent, on a des soucis d'organisation au niveau de l'infrastructure de la maternelle des Lilas. Donc il va falloir concerter et les parents et l'équipe enseignante pour pouvoir réorganiser au mieux ces locaux, quitte à éventuellement créer quelque chose de plus. On a un souci de place au niveau du restaurant scolaire de l'école de Veneux. Donc ça c'est pareil, il y a un agrandissement qui va être prévu. De la même façon, vous avez sur l'école d'Épizy des infrastructures qui actuellement sont trop petites. Vous avez une classe qui est quand même dans la salle des mariages. Donc avec ce qui est projeté au niveau du PLU qui prévoit quand même une vingtaine de nouveaux logements, effectivement là, la construction d'une nouvelle école s'impose. Et d'ailleurs, la liste sortante là, elle-même, a fini d'ailleurs elle-même par le mentionner. Concernant le collège sur Écuelle, nous avons effectivement une projection à moyen terme de travail avec le département pour déposer un dossier pour pouvoir créer un nouveau collège sur Écuelle. Vous proposez la création d'un nouveau collège, en partenariat avec le département, bien évidemment. Ceci est en réponse à des remontées de parents inquiets de devoir envoyer un jour leurs enfants au collège à Varennes ou à Champagne, sachant que le collège Alfred Sisley de Moret est actuellement saturé. Oui, tout à fait. On a eu beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là. Le collège actuellement est quand même limite surchargé. Donc l'idée est de reconstruire un collège sur Écuelle, en projection également avec les nouvelles familles arrivant. Quand on regarde au niveau du PLU, il y a quand même énormément de logements prévus. D'autre part, ça permettrait aussi de pouvoir faciliter la vie de certains collégiens des villages de la communauté de communes, dont Villeserve par exemple, Villemaire ou Ville-Maréchal.